Salut à tous, Mitrap de Manitan d'Alerte, et on se retrouve pour deviner quoi, un let's play de Xenoblade Chronicles 3. Donc, notre dernière vidéo, c'était vous montrer comment farmer pour passer du level, allez, 68 à 80, c'est large, et on était déjà ici. Donc ici, c'est où? Allez, vous me demandez si vous regardez pour la première fois la vidéo, si vous n'avez pas regardé la précédente. Donc ici, c'est Cadencia. Donc je vais vous montrer d'abord où vous TP. Donc ici, à Canopée de l'Éternité, vous allez passer la corde jaune qui va vous amener sur cet îlot de l'enfer où se trouve tout un tas de mobs assez puissants. Et d'ailleurs, oui, pensez d'ailleurs à la remettre. Donc je vais me remettre, ici. Donc ici, pensez à escalader parce qu'en haut se trouve donc, ce mob là. Donc, qui est un unique. Si vous regardez notre vidéo précédente, en fait, nous, on se faisait poursuivre par des mobs. Donc, on voulait absolument. On est rentré dans la grotte. On voulait s'échapper pour pouvoir vous dire, ouais, voilà, on vous a montré comment farmer. Et on est passé par là et on est tombé sur un unique level 77 Fourmix assez coriace. Donc voilà. Et là, on a vu au loin une relique des 7 fétiches. Alors, pareil, hein, si vous avez regardé une vidéo précédente, vous savez de quoi il s'agit. Si vous n'avez pas regardé, ce sont des espèces de stèles super bien protégées, plutôt bien cachées, qui recèlent toujours un objet vraiment très, très recherché, très important. Et donc, on l'a vu au loin. Donc, avec vous, on va essayer de s'y rendre. Et à mon avis, là, les oiseaux, les Taos ne vont pas nous laisser passer si facile. Et franchement, les Taos, l'air de rien. Un peu. Ah bah. Regardez à l'arrière, oui. Des mobs gigantesques qui ont sur la gueule. Alors, attends, pas gros tout, avec 5 mobs, la peut pas. Alors j'ai maintenant des questions à propos de gamer qui demande si voilà, c'est obligatoire d'avoir joué loin et deux pour et d'avoir comme l'a dit c'est pas obligatoire comme il n'était pas obligatoire d'avoir joué un par contre est-ce que ça fait 3 avec toutes les références qu'il y a tous les clins d'œil qu'il y a toutes les références qu'il peut y avoir par rapport au 1 et au 2 franchement. Moi, ce que je vous conseille, à la limite, si vous êtes acheté le 3 et que vous dites, voilà, moi j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de refaire le 1, le Definitive Edition, hein, bien évidemment, hein. J'ai pas envie de faire le 2, je veux me lancer dans le 3, et que le 3 vous plaît, ben lancez-vous après. De vous-même, je pense que vraiment, vous aurez envie de faire le 1 et le 2. Parce que tous les univers, c'est pas comme des Final Fantasy, j'ai pu lire, ouais, c'est comme Final Fantasy BLC, pas du tout. Les univers sont connectés, donc vous allez louper plein de référence, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre qui sont dans le 1 et le 2. Donc moi j'insiste vraiment, si vous aimez Xenoblade Chronicles 3, faites le 1 et le 2. Si vous hésitez, voilà, vous dites, oh, bah, est-ce que ça va me plaire, ça va forcément vous plaire. Le 1 est un chef d'œuvre, le 2 est un chef d'œuvre malgré quelques critiques très très injustifiées. Faites le 1 et le 2, vous ne regretterez pas. Et si, si vraiment vous avez du mal, c'est avec grand plaisir que je ferai des let's play de 1 et 2. Il y a pas mal de tags. Je ne pense pas en avoir trouvé. Allez, ouais, ça va me faire. Ça va me faire du stuff en cas de crafting de gemmes. Si je parle un peu anglais, excusez-moi, crafting de gemme, création de gemme. Ah, crafting de gemme.
Il te fait savoir quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir la jouer vraiment, mais autre que. Il y a des héros, très sincèrement, je me sens frustrée. J'aimerais les jouer dans l'équipe, c'est-à-dire, voilà, comme. Comme vous, quoi, comme les joueurs. J'aimerais pouvoir utiliser ses capacités moi-même. Ça, c'est un point hyper cool. Moi, c'est que les héros, certains, je les trouve vraiment très attachés. Il y a les quêtes de héros, hein, mais dans l'équipe, je ne peux pas vraiment les jouer. Ça permet de gagner du temps. Hein. Cette île est blindée. Et blindée d'élite, il y a des flics, il y a des. Elle est vraiment cette île pour farmer. Déjà, ça, il y a aussi un petit challenge. Hein. Ça, c'est important. Allez, encore un jour. That was spectacular. And I was the MVP. You were all thinking it. Vous voyez celui en face là? Je pense qu'il va. Il va pas nous laisser passer. Ah. Alors, c'est des gentilles surprises qu'on adore. On l'a eu sur la vidéo précédente avec un Fourmix 77, un unique. Et là, et là, un nouvel unique. Il va être dur à battre. Allez, là, je peux t'aider vraiment bonne chance. Le vorace qui prend. Ah, ça va être chaud. Les reliques, les stèles, les 7 fétiches, c'est gardé par un mob. Je pensais que ça allait être un élite. Il rigole pas. Ah ouais, il m'a tué Taïon. Peut-être regarder là pour remanier un peu l'équipe. Si on
transformer le héros en soigneur. C'est pas mal, hein. Par contre, les enchaînements vont être, qui vont être dégueulasses. Allez, à tenter. Hein. J'ai pas essayé d'aggro peut-être les autres pour s'en débarrasser. Parce qu'ils sont venus nous taper. Ils sont venus taper. Donc on se faisait l'unique. Well, we've been found. On va voir ce que Nabi apporte. Ah, c'est ça, hein. Vous voyez que les gamers, les montages sont toujours easy. Faire pas mal d'essais. Faire des trucs dingues. Ils s'en sortent. Là, vraiment, si vous y allez, débarrassez-vous des taillots qui peut y avoir autour, parce que vous bien vous mettez la carte de fumée qui allez, un moins, bye bye. J'aime. Ça doit être encore un bel objet, hein, qui est protégé. Je sais pas voir ce que la vie va donner. Si elle va vraiment c'est ce qui est bien. Okidoki. Après, essayer de s'écarter peut-être un peu plus, pas être trop près de la falaise. Allez, on réessaye. Retente. Ready to insulate! I want to surrender!
J'arrive, il y a plus de tape. Ça ne sera pas, dingue. Non. Voilà, c'est pas fou en soi. C'est vraiment pas fou. Pouvoir sur une classe, c'est pas tout ce qu'elle veut. Après, si elle permet à l'équipe de rester en bas, on ne sera plus. Mais on ira plus. Pas si affreux. Il est pas. Ça va. Voilà, il est enragé. Donc, c'est loin d'être gagné. Hein.
Je dis ça qu'elle se fasse OS. La lance, je vais la réveiller. J'espère qu'elle va vite. Vous avez remarqué, hein, les soins sont lents. Un et deux. Moi, je peux bien jouer ça. Là, je peux. Il n'y a pas de. Il n'y a pas la bêtise. C'est pas pareil. Un petit peu. On va se trouver vraiment. Un et deux. J'allais dire que c'était pas trop mal parti et enfin, ça a dit. C'est intense. À caper à 99. Dommage. Ah, par contre, ça fait rager, hein. T'as un. Yeah.
mis la soupe. Eh ben. Ça, c'est une belle victoire. Ça fait deux uniques assez forts en peu de temps. Vous voyez là, la stèle juste en face. Pour l'atteindre, ce ne sera pas simple. Donc voilà, héritage des 7. Anneau saturnien. Bon, évidemment, on va aller vous montrer ce que ça offre. Hein, parce que, bah, dit comme ça, on n'a aucune idée. Accessoires. Alors, ça aussi. Aucune idée de. Enfin, parfois ça saute, je sais pas pourquoi. Donc, ça rajoute encore plus de mérite à cette victoire parce que ça a retiré tous les accessoires. C'est fou, mais c'est fou ça. C'est fou, pourquoi ça lui a retiré tous les accessoires? Enfin bref. Donc l'anneau saturnien, où est-ce qu'il se trouve? Alors, l'anneau saturnien, il augmente de 40% l'attaque. Forcément, c'est bien pour un attaquant. Donc on va faire un retour, un Y, et ça lui a mis quoi? Ça lui a pas mis, tiens, l'anneau saturnien, on va voir l'autre. Ah tiens, ça le met, ça l'a mis. Donc voilà, alors on vous a montré comment tuer un unique qui n'était pas prévu. On vous a montré également comment aller chercher l'objet des 7 fétiches. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Bye bye.